Les gars, je salue tous mes amis, mon ami Agulu, Anani, Lachou, Alikao, John, je vous salue. Je salue mon ami Wilson, sans oublier mon ami Seka Clément. Seka Clément, c'est un bon gars, ça, je tiens seulement à le féliciter. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler un peu de la France. De la France, parce que il y a quelque chose un peu qui me chagrine, quoi. Comment se fait-il que les pays colonisés par la France, il y a toujours des guerres, et les pays colonisés par les anglophones, il n'y a pas de guerre. Regardez le Nigeria, regardez le Ghana. Bon, le Libéria a connu la guerre, mais c'est avec l'appui encore d'un côté de la France. Mais tous les pays colonisés par la France, il y a toujours des guerres. Oui, en matière de démocratie, c'est vrai, il y a quelques pays francophones, que ça va, par exemple, le Sénégal, ça va. Le Bénin, un peu le Ghana, qui est un pays anglophone, ça va. Le Botswana aussi, ça va. Mais les pays francophones, il y a toujours des guerres. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le colonisateur lui-même qui pousse les pays francophones tellement qu'ils veulent assujettir les pays francophones que toujours ils nous imposent leur volonté. Mais pour toutes les volontés. Tu prends le cas du Mali, il y a la guerre. Tu prends le cas du Congo, il y a la guerre. Centrafrique, il y a la guerre. Côte d'Ivoire, il y a la guerre. Tu passes un peu Congo, Kinshasa, il y a la guerre. Congo-Brazzaville, il y a la guerre. Alors moi je ne comprends pas. Le Niger, il y a la guerre. Libye, même chose. Mais moi je ne comprends pas. Mais nos chefs d'État africains, ça dit chacun veut toujours s'allier à la France avant de devenir quelqu'un. En conséquence, aujourd'hui, les pays africains sont devenus, c'est-à-dire les pays africains sont devenus des sous-préfectures de la France. En fait, on parle d'indépendance, c'est vrai. On parle de globalisation, on parle de rapport, c'est-à-dire l'interpénétration, la coopération, c'est bien. Mais j'ai l'impression que la France nous traite vraiment en esclavage. Bamounoura était en train de lutter un peu, mais lui, il a fait de manière très brute. Et il n'a pas fait de manière intelligente. Il a fait de manière inintelligente. Donc, de manière brusque comme ça, il voulait couper les ponts. Nous avons dit non. Cette manière de faire, ce n'est pas bien. C'est vrai. Il menait une très bonne politique. Une politique pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autonome. De plupart des autres, à Paris, en France. Mais il voulait le faire de manière très brusque. Ce n'était pas de manière intelligente. Et nous l'avons compris. Mais les pays africains, il faut qu'ils cherchent un peu à avoir leur autonomie un peu. Leur autonomie, parce qu'à cette allure-là, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Oui, tous les pays francophones, il y a la guerre là-bas. Il y a la guerre. Depuis, on va quitter le temps de Pompidou, venu par Mitterrand, Chirac, tout le temps. Et chaque fois, chacun tire toujours les ficelles en Afrique ici pour créer la guerre chez nous, pour placer leurs gars. Mais les pays anglophones, l'Amérique a colonisé des pays, l'Angleterre a colonisé des pays, mais on n'en voit pas l'air. Ça dit les mêmes mises sur ces pays-là. Non, non, non. Et c'est ces pays-là, tu vois, mais quand tu vois un exemple de démocratie. Est-ce que tu vois? Mais je ne sais pas pourquoi vous, d'abord, vous posez des restrictions, parlez chez vous, on n'a pas besoin de l'Africain, mais pourquoi forcément vous nous imposez toujours des gens et c'est nous qui mourons? Quand tu fuis aujourd'hui au Mali, la France a son pied. Quand tu fuis en Côte d'Ivoire, la France a son pied. Et la France a son pied un peu partout, en Centrafrique, au Gabon, partout, un peu partout. Il peut créer ici la prison, et mais ils le montrent. On a vu comment est-ce que ils ont fait venir David Dacko de Paris pour le faire président de choses, je ne sais pas si c'est au Gabon, bien que pas, je ne sais pas où. Il y a des conneries comme ça. Alors j'aimerais un peu attirer l'attention des intellectuels africains. Regardez bien ce pays qu'on appelle la France. Regardez bien qu'est-ce qui se passe. Et puis c'est toujours les pays colonisés par la France où il y a toujours des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Moi je ne sais pas. Je n'ai pas une grande ouverture d'esprit. Mais vous qui êtes des intellectuels, asseyez-vous, réfléchissez et discutez. Ces Français-là, ces Français-là, ils commencent à exagérer un peu. Ils nous prennent pour des sous-préfectures, pour des sous-préfets plutôt, et puis on ne peut rien faire pour aller chez eux. Des contents de visa, et après, ils nous imposent des gens. Quand vous voyez un pays français, dit, je vous donne 10 milliards, mais les 10 milliards-là, c'est eux qui gèrent. C'est-à-dire, quand ils ont des dépenses à faire, des gens employés chez eux, ils envoient 10 milliards à la Côte d'Ivoire, et ces 10 milliards sont gérés par des Français eux-mêmes. Si c'est fini, ils retournent. Enfin, quelle aide ils nous apportent? Quelle aide ils nous apportent concrètement? On est toujours là, en train de souffrir pour payer nos employés, payer les fonctionnaires, tout, tout et tout, pour investir chez nous. Mais je vous en prie, je vous en prie, la France, bon, je n'ai pas envie d'aller trop dedans pour éviter de créer un sentiment anti-français. Mais je vous en prie, évitez de nous faire tuer. Évitez de nous faire tuer. Évitez de nous faire tuer, parce que vous exagérez un peu. Pour moi, ce fait que c'est vous les pays que vous allez coloniser là, c'est dans ces pays qu'il y a toujours la guerre, il y a toujours la guerre. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous interpelle pas. Et puis les intellectuels africains, ça ne vous interpelle pas un peu pour dire est-ce que c'est bien ce qui se passe?
est-ce que ce pays de la France là n'est pas en train de détruire l'Afrique pour des intérêts personnels? On a vu des réseaux Foucault, des réseaux africains, tout, mais tout ça, oh, vraiment, c'est dégoûtant, quoi. Ça dit, moi, mais j'aurais préféré que la Côte d'Ivoire soit un pays colonisé par les Anglais. On serait encore plus à l'aise. Regardez le Ghana. Le Ghana se développe, Le Ghana est en train de se développer. Il y a des travaux là-bas. Mais en Afrique, dans les pays francophones, c'est quoi? Les guerres, des positionnements. Et chaque fois que la France doit choisir quelqu'un, il faut qu'il y ait des morts. Et après, c'est pour signer des accords. Aller précipiter et choisir une élection au Mali là-bas, rien que pour signer vite des accords avec un chef d'État élu. Oh, vous aussi. Excusez-moi, quoi, je suis désolé, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bon, comme les historiens, les intellectuels, chacun fait politique, sont incapables de dire la vérité, je suis désolé. Merci beaucoup, les gars. Je suis désolé.